suite de ce bienvenue chez vous, deux invités aujourd'hui, Mathias Auté, bonjour, bonjour, et Pierre Braun, bonjour. Bonjour. Tous les deux ont 23 ans, tous les deux sont étudiants. Et si on les invite aujourd'hui, c'est qu'ils ont inventé cette machine qu'on appelle comment ? Le EcoCan. Le EcoCan pour l'instant, parce qu'à mon avis, ça va encore bouger. Sûrement. Oui. L'idée, elle est drôlement sympa. Qui peut nous expliquer ? Alors tout d'abord, pourquoi vous avez ce projet ? Où êtes-vous étudiant ? Est-ce que vous faites et pourquoi ce projet ? Alors, on va partager le boulot en deux. On va commencer par vous. Présentez-nous un peu l'établissement dans lequel vous êtes. Donc, nous sommes tous deux étudiants à l'ISFATES. Donc, c'est l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences. Et c'est en fait une école... Il est où cet institut ? C'est une école qui est située à la fois à Metz, au Technopôle, et à la fois à Saarbrück, à la ATV de Saarbrück. Et donc, nous faisons des études tous les deux en master de génie mécanique. Donc, vous êtes déjà ingénieur, là ? Oui, on a la licence, et donc là, on finit le master. Pas mal. Et si j'ai bien compris, Mathias, on vous demande un projet, et ce projet, vous l'avez proposé, présentez-le-nous. Donc, juste pour revoir le système, il s'agit d'un projet... de deuxième année, qui est là pour compresser et compacter les canettes, donc dans l'environnement durable. Et donc nous avons continué donc à travailler sur ce système, et donc nous avons proposé ce prototype-là qui compacte et compresse des canettes. Si jamais ça marchait, ça peut être une belle chose pour vous. Oui, bien sûr, c'est un tremplin certain. C'est un prototype, ça, pour l'instant. C'est un prototype. Pas. Oui. Non. Il y a des concurrents, mais disons qu'on a certaines particularités qui nous permettent de nous démarquer par rapport à la concurrence. Notamment, un brevet a été déposé sur un système innovant qui nous permet de consommer moins d'énergie que nos concurrents. Et il y a d'autres astuces. Par exemple, son encombrement, qui est relativement faible. Mm-hmm. Ça le permet de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. On a également... Parce que l'idée, c'est ça, c'est-à-dire, on boit une boisson quelle qu'elle soit, là, en canette, et l'idée, c'est... parce que les canettes, après, il faut bien en faire quelque chose. Oui. Vous, dès qu'on les met dans cette machine, la compacte, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, en France, on consomme, grosso modo, 4 milliards de canettes par an. 4 milliards ? Dont 35% hors domicile. Donc, le hors domicile correspond au restaurant, au cafétéria, et en tant qu'étudiant... C'est énorme, 4 milliards. En tant qu'étudiant, on participe grandement à ce chiffre. Et en fait, en regardant nos universités allemandes, où les bouteilles sont collectées, et en France... Les Allemands ont moins de canettes que les Français, c'est ça que vous dites ? Les Allemands ont beaucoup moins de canettes que les Français. En fait, ils sont plus sur un système de bouteilles en plastique ou bouteilles en verre. Donc, vidange, pas vidange, truc... Ce genre de système. Alors qu'en France, en fait, c'est encore très rare les systèmes de collecte particuliers pour le recyclage. Donc l'idée vous est venue, plutôt que mettre ces tonnes, ces 4 milliards de canettes dans un endroit, c'est de compacter, histoire finalement de gagner du temps, de gagner de la place surtout. Et qu'est-ce que vous en faites une fois que c'est compacté alors ? Alors en fait, on avait l'idée de les revendre pour les revaloriser, pour les recycler. Et en fait, nous avons eu la semaine dernière l'occasion d'être présentés à la Solidarity Cup de Forbach. Et toutes les canettes ayant été collectées ce jour-là seront reversées aux Alus du Cœur pour financer les chiens guides d'aveugles. Ça, c'est bien. Une centaine de canettes, ce qui fait à peu près 1,5 kg d'acier et d'aluminium, seront reversées pour financer les chiens guides. Mais une fois que c'est compacté et que c'est à l'intérieur de votre machine, le système après, c'est quoi ? Ça part pour être à nouveau fondu, si j'ose dire ? Oui, en fait, les canettes sont recyclées, le plus souvent pour faire de nouvelles canettes, et on passe d'une canette recyclée à une nouvelle canette en 6 semaines. Pas mal. On peut faire une démo ? Bien sûr. Bon, vous savez qu'en télé, c'est toujours là où ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. Oui, oui. Mais je pense que... Alors, on va vous laisser... vous allez commenter ce qu'il fait parce qu'il n'y a plus de micro. Donc, en fait, l'insertion se fait par le capot du dessus. Mm-hmm. Donc, on a un orifice à côté de la plaque en braille explicative. Mm-hmm. Et on a juste à laisser tomber la canette à l'intérieur. Bah, et le système le compresse. Ah. Alors, bien sûr, vu que c'est un prototype, il y a un bouton d'arrêt d'urgence. On n'est jamais trop prudent. Et donc, voilà. Ça y est. Et donc, voilà. Là, la canette est compactée. On ne pourra pas voir le résultat. Faudrait ouvrir la machine, mais en fait, la canette arrive à une hauteur de 3 cm. On passe de 11 cm de canette à 3 cm de canette. Pas mal. En fait, on n'a pas poussé plus loin la compression, parce que la canette... Mais comment ça marche, alors ? C'est pneumatique. En fait, c'est Il y a des vérins C'est un système pneumatique. En fait, notre brevet permet de fragiliser la canette,
ce qui nous permet d'utiliser des vérins plus petits et donc de consommer moins d'énergie que les concurrents. Et tiens, c'est compliqué de choper le résultat pour le montrer à nos amis téléspectateurs ? Non. Coupez, hein, pas que vous ayez les doigts, parce que je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose non plus. Parce que maintenant qu'on a montré comment était la canette, c'est peut-être bien aussi de montrer le résultat. Et vous allez concourir encore ? Il est prévu que vous alliez encore... On a fait un premier concours avec le tout premier prototype, qui était une vieille brouette. Et on a eu le second prix, ce qui nous a permis en partie de financer le nouveau prototype. Et donc nous avons prévu de participer à de nombreux concours, lorrains la plupart du temps. Donc le concours entreprendre, ce genre de concours d'inventeur, pour présenter la machine et récolter des fonds. Alors, vos concurrents, ils ont proposé quoi ? Il y a d'autres idées, qui étaient forcément moins bonnes que la vôtre, mais est-ce qu'il y a eu des choses sympas ? Oui, il y a eu l'entreprise CKFD qui propose un compacteur manuel. Donc en fait, c'est l'utilisateur à main qui l'actionne. Le problème, c'est que dans les entreprises, c'est une source de contact. Toutes les mains de toute l'entreprise vont toucher la même poignée. Ah oui. Et donc, si vous avez un malade dans l'entreprise, ça se propage. Ah ben voilà. Voilà. Ça c'est le résultat final. Effectivement, ouais, c'est pas mal. Ce sont comme beaucoup moins de place. Et c'est bien, c'est une bonne idée ça. En fait, sur la canette, on voit que c'est la partie cylindrique qui a été comprimée et que le socle et le capot du dessus, disons, n'a pas été compacté parce qu'en fait, c'est les zones les plus épaisses de la canette. Ah, donc on consommerait beaucoup d'énergie pour un gain de place qui ne serait plus vraiment rentable. Ouais, mais là, du coup, c'est vrai qu'au niveau transport et tout, ça vaut le coup. Quoi. C'est déjà mieux, oui. Eh ben, écoutez, nous, on peut juste vous dire bravo parce que vous êtes originaires d'où tous les deux ? Moi de Metz. Et moi de Porcelette, donc près de Saint-Avold. Ah, donc vous êtes de Lorrain ? Oui, bien sûr. On est encore plus fiers, c'est sûr. Merci en tout cas d'être venu nous présenter. Où est-ce qu'on peut la voir prochainement fonctionner ? Elle sera installée pour une période d'essai relativement courte à l'IPFAM, donc au Technopôle de Metz. Non, l'IPFAM, ça ne nous dira rien, dites-nous. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, bravo ! Vous êtes supposé, vous savez pas. C'est, en fait, c'est notre école, mais... Mais c'est votre école. On le partage, mais oui. Mais ça se trouve où ? Au Technopôle de Metz. D'accord, mais où l'adresse ? C'est près de l'ENSAM, c'est un magnifique bâtiment vert pistache. Ah, le vert pistache, d'accord. Ah oui, vous ne pouvez pas le rater, ça. Non. C'est presque vers le côté foire expo, là-bas. Hein, voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Donc, c'est là où vous êtes. Vous êtes dans le truc pistache, là. Voilà. C'est nous. Ah oui, on ne peut pas le rater, ça, non, c'est clair. Pas une idée des couleurs ? Pas nous. D'accord. Merci en tout cas, vous deux, d'être venus nous voir. Bravo, en tout cas. Merci. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien.